Alors mon discours, c'est le même que j'ai dit, que j'ai tenu à la fin du match, c'est-à-dire qu'on a sûrement perdu la qualification sur la 40e à la 45e de la première mi-temps, voilà, parce que sur les 40 premières minutes, ce qu'on avait voulu mettre en place les a beaucoup gênés, parce qu'on a concédé aucune situation réellement dangereuse, voilà, mais on s'en est procuré deux. Puis malheureusement, sur deux, manque de concentration, une baisse de vigilance aussi avec les efforts fournis sur les 40 premières minutes, on prend deux buts avant d'entrer à la mi-temps. Voilà, ça nous a mis un réel coup sur la tête. Et puis après, finalement, le rapport de force sur le papier, c'est aussi vérifié sur le terrain, voilà, où l'adversaire nous a été supérieur dans le registre technique, voilà, avec beaucoup de situations en deuxième mi-temps en leur faveur. Nous, on s'est créé 3-4 situations. On a touché le poteau, voilà, un ballon sauvé aussi par un adversaire juste avant que ça rentre dans le but. Donc voilà, mais après, le score est un peu sévère par rapport à ce qu'on a produit sur la première mi-temps. Voilà, je suis un peu déçu par rapport au résultat global sur l'ensemble du match. Après, si on a la chance de rentrer à la mi-temps à 0-0, bah bien entendu que tout était jouable sur la seconde, mais ce n'est pas le cas. Donc bravo à Romain Rantin pour son match et puis bonne chance pour le reste de leur parcours de Coupe de France. J'ai surtout, bien entendu, pas dit la phrase bateau en fin de match, on va se concentrer sur le championnat, puisque c'est une évidence que le championnat sera, bien entendu, elle l'était bien avant, le match de Romorantin, la priorité. Donc on va aller jouer un derby dès la semaine prochaine à Saint-Cyr. Donc pour nous, c'est idéal pour se recentrer sur le championnat et on va essayer rapidement de prendre des points pour laisser le plus d'équipes derrière nous. Et après, on verra sur les deux derniers mois, avril et mai, ce qu'on pourra jouer dans ce championnat. Mais voilà, l'objectif, c'est de prendre des points qu'on a déjà perdus bêtement par rapport au rapport de force qui était proposé sur le papier. Donc on va essayer de rattraper ça à Saint-Cyr la semaine prochaine. Ouais, c'était un match sérieux, abouti de la première à la dernière minute. J'ai bien aimé le contenu de ce match. On a su faire preuve de patience pour faire la différence sur la fin de la première mi-temps face à une équipe bien regroupée. Donc on savait que ça n'allait pas être simple, ça a été le cas d'ailleurs. Et malgré tout, je suis vraiment satisfait du contenu et du résultat. C'est une équipe qu'on connaissait, hein, puisqu'on les avait joués la semaine dernière, on était passé de justesse. Donc voilà, je trouve que c'est une équipe qu'on a respectée comme il se doit. Et encore une fois, après, on était dans une autre dynamique que la saison dernière aussi, donc j'avais malgré tout moins d'inquiétude que la saison dernière quand tu as rencontré cette équipe. Un souhait particulier, on a fait la demande pour essayer d'aller en Outre-mer. Le souhait, forcément, ça sera qu'on nous demande à Lutis. Maintenant, le tirage aura lieu mercredi, donc on va savoir si on fait partie de ces équipes-là et si on reçoit ou si on se déplace. Donc, place à mercredi.